Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement. Donc ça sera training à la maison, donc avec le matos que j'ai ici, uniquement halter et puis un petit peu d'élastique aussi pour les épaules, et je vais vous décrire tout ça bien en détail. Donc regardez, hop, j'ai pris ma plus belle écriture et je vous ai tout écrit ici. Donc ce sera un training épaule, donc on va faire 5 exercices. Alors je vais vous le faire petit à petit, progressivement. On va d'abord s'échauffer et après je vous parle de tout ça en détail. Avant, mon petit pré-workout. Hop. Big shot. Mais pendant le training, mes acides aminés, EAA. Hop. Et voilà. Avant toute chose, il faut s'échauffer. D'abord, les rotateurs, super important. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais ici. Hop, avec l'élastique, je le bloque là. Hop, je le bloque dans une porte, n'importe où. Voilà. Donc on continue l'échauffement. Avant de passer au premier réel exercice, je vais encore continuer à m'échauffer un petit peu avec les poignets ici, et je vais faire des pompes en gros à 90 degrés. Et je vais monter sur le banc ici. Hop. Voilà, c'est juste la chauffe, je ne vais pas à l'échec du tout. Allez, une fois qu'on est un petit peu échauffé, c'est parti. Donc premier exercice, ça va être élévation latérale assis aux haltères. Donc on va faire 5 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Et sur la dernière, on va faire un triple drop set sur la dernière. Donc je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. D'abord, on va commencer par les séries normales. Hop. Alors pour ceux qui cherchent les haltères Bowflex, il y en a absolument plus du tout, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. J'ai cherché partout, c'est rupture de stock totale. Et faites attention, parce qu'il y en a qui vous font justement des plans arnaques, qui vous vendent soi-disant des haltères soit à 90 balles, où en fait vous n'allez jamais rien recevoir, donc c'est de la pure arnaque. Et ensuite il y en a d'autres carrément qui les ont et qui les vendent jusqu'à, j'ai vu, 2 500 €. Donc il y en a qui profitent de la crise justement pour revendre juste un halter, 2 500 €. J'ai vu ça sur Amazon ou même sur d'autres sites, des mecs qui revendent leurs haltères 5 fois le prix, quoi. C'est des trucs de malade. Donc on va faire, faites gaffe quand même, c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut pas se laisser avoir. Hop, allez, donc c'est parti. Donc je monte progressivement. Alors c'est des pounds, hein, donc ça c'est 30 pounds là que je vais utiliser pour la deuxième série. Alors la première, les 15, c'était facile. Toi aussi tu veux faire ton training. Toi t'es musclé sans rien faire, toi t'as trop de la chance. La génétique, quand on parle de génétique, regardez-moi ça. C'est une grosse plaque là. Allez, deuxième série. Attention, pousse-toi gros. Plus qu'une. Donc sur la dernière série, là je vais faire un triple drop set, c'est-à-dire tout simplement que je vais faire mes 15 reps, hop, je vais poser directement. En plus c'est les haltères réglables, donc ça va aller super rapide pour décharger. Hop, je tournerai d'un ou deux crans. Ici je mettrai 30 ensuite, hop, et je continuerai le maximum de reps que je peux, et ensuite je repose les haltères, encore une fois je décharge, et ensuite encore le maximum que je peux. Donc voilà, c'est ça le triple drop set. 100 temps de repos, ouais, c'est ça.
deuxième exercice, ça va être du développé assis aux haltères, 10 x 10. Donc ouais, ça va être chaud, avec une minute de repos entre chaque. Et par contre, on va essayer de garder le même poids. Donc c'est pour ça que ça va être assez difficile. Au début, on tâtonne un petit peu. Donc il ne faut pas prendre trop lourd, sinon on n'arrivera jamais à finir. Et pas trop léger aussi. Le but, c'est d'arriver à garder le même poids pendant les 10 reps. Donc c'est parti, je vais incliner le banc à 90. Allez, on va tenter les 70 pounds. Je ne sais pas si je vais arriver à faire les 10 reps, 10 séries comme ça, mais on va tenter quand même. Normalement, ça devrait aller. D'habitude, je fais à 90, mais pas pour autant de séries, bien sûr. Le plus dur, c'est pour les monter. Ça va, assez facile, mais c'est que la première. Allez, une minute de repos, il en reste plus que 9. Ceux qui n'ont pas assez de poids au niveau des haltères, parce que je sais que forcément vous n'avez pas tous des haltères réglables et encore moins des haltères vachement lourds, surtout en ce moment, vous pouvez utiliser un élastique en plus des haltères que vous mettez comme ça derrière le banc, ou si vous avez un siège ou n'importe quoi, et là vous prenez vos haltères dans les mains en plus de l'élastique, du coup ça vous rajoute une tension supplémentaire. Donc, même si c'est des petits haltères, hop, comme ça, avec l'élastique, ça vous rajoute de la tension. Bon, c'est passé. Franchement, super difficilement, là, la dernière, j'ai vraiment eu du mal. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être trop gourmand au niveau des poids au début. Alors moi j'ai utilisé 70 pounds tout le long, ça fait à peu près 30 kg, un peu plus peut-être. Donc voilà, donc c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. 30 kg pour les 10 séries. Au début ça me paraissait super facile, la dernière, j'en ai vraiment chié, j'ai failli ne pas finir. Allez, on passe au suivant. Même on peut même prendre 2 minutes avant de passer à l'exercice suivant là. Allez, on passe au troisième exercice. Le troisième exercice, ça va être un tri-set. Tri-set, ça veut dire qu'on va enchaîner trois exercices sans temps de repos. Le premier, c'est oiseau buste sur banc. Donc c'est plus pour travailler l'arrière des épaules. On va faire 15 répétitions et de suite, on va enchaîner avec élévation frontale, mais toujours le buste sur le banc. Donc là, on ne bouge pas et on va essayer même de garder les mêmes charges. Si on ne peut pas garder les mêmes charges, on décharge un petit peu, mais on va essayer de faire 12 reps. Et on va enchaîner avec élévation latérale, un bras allongé sur le côté du banc, un bras après l'autre, 12 reps aussi. Donc ces trois exercices sont enchaînés, on prend une minute de repos à la fin des trois exercices et on va répéter ça 4 fois. Donc allez, c'est parti. Commence à être fracas. Allez, quatrième exercice, ça va être plus simple. Arrière d'épaule aux élastiques, on va faire du 5x20, toujours avec une minute de repos. Donc deux solutions, soit vous avez un élastique comme moi ici, avec un truc exprès d'attache qui peut se mettre dans une porte, donc comme ceci. Donc c'est fait exprès, hein, celui-là. Hop. Voilà, ça se cale dans une porte et là, il n'y a aucun risque. Ici, ça tient, c'est fait pour. Et là, je vais enlever
un de chaque côté parce que c'est, il y a trop de résistance pour cet exercice là du moins. Et je vais faire comme si c'était des poulies. Voilà. Donc après, si vous avez un balcon et que vous n'avez pas la possibilité de mettre vos élastiques en haut de la porte, on l'accroche comme ça tout simplement. Et pareil, idem. Le dernier exercice, ça va être plutôt pour cibler les trapèzes. Donc les shrugs aux haltères, on va faire du 5x15, pareil avec une minute de repos. C'est parti, là je vais mettre la totalité, 90 pounds. Et c'est parti. On maintient là-haut. Allez, on fait les pompes. On fait les pompes. Allez, allez, allez. Allez. Ouais, les amis, séance finie. Super séance, franchement. Aux haltères élastiques, bah, surtout pour les épaules, c'est vrai que c'est vachement facile. Au final, on n'a pas besoin de grand-chose. Juste une paire d'haltères. Évidemment, tout le monde n'a pas des haltères réglables, mais vous pouvez toujours avoir des haltères normales, entre guillemets, et ajouter les poids à chaque fois, même si c'est un peu plus galère. Avec ça, un banc des élastiques, on peut faire une super séance d'épaule. Donc là, franchement, pour l'instant, c'est vraiment le top. J'arrive quand même à bien m'entraîner juste avec ce petit matériel-là. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué pour le dos, même si j'y arrive quand même. Pareil pour les jambes. Les jambes, je bouffe pas mal de fentes et de trucs comme ça, mais finalement, j'ai des bonnes sensations aussi. Donc voilà, les amis, en tout cas, j'espère que vous arrivez quand même à continuer à vous entraîner, soit au poids du corps si vous n'avez pas du tout de matériel, avec notamment le programme que j'avais sorti, Zero Gym, que vous pouvez toujours télécharger gratuitement, je vous le rappelle, sur mon site. Et puis sinon, ben voilà, vous pouvez toujours continuer à suivre mes programmes pour ceux qui ont leur propre home gym, ça marche très bien. Donc voilà les amis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et activer la petite cloche aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aussi, ajoutez-moi sur Instagram. Puis en attendant, moi je vais goûter mon petit goûter de l'après-midi, ça sera ma whey pure native. Ici, j'ai deux petits sachets là avec une banane et puis des galettes de sarrasin. Voilà, ça mon petit goûter, on va dire, de l'après-midi. Au top. Allez, je vous dis à plus tard les amis, merci de m'avoir suivi.